Pierre Palmade en boîte de nuit. De nouvelles vidéos confirmeraient la sortie nocturne du comédien. Dans la foulée des révélations de Chayara TV sur la sortie de Pierre Palmade en boîte de nuit le week-end, le nightclub s'est empressé de contester les faits. Mais de nouvelles preuves viennent semer le doute. Les images de Pierre Palmade qui ont été dévoilées sur les réseaux sociaux ce week-end ne sont pas passées inaperçues, loin de là. Responsable d'un terrible accident de voiture causé au mois de février dernier dans lequel une femme enceinte a perdu son enfant et un fils et son père ont été très grièvement blessés. Pierre Palmade avait échappé à la détention provisoire, la justice estimant que son état de santé n'était pas compatible avec la prison. Il avait donc été décidé que l'ancien complice de Muriel Robin serait maintenu sous contrôle judiciaire. Après avoir passé 2 mois dans des établissements de soins de la région parisienne, l'humoriste avait été transféré au CHU Pellegrin à Bordeaux, sa ville natale où il a pu retrouver sa mère et l'une de ses sœurs. Depuis le 6 mai dernier, le contrôle judiciaire du comédien avait été assoupli, il était désormais libre de sortir le samedi et le dimanche. On l'avait d'ailleurs vu profiter de ses heures de liberté avec l'une de ses sœurs et sa nièce. De nouveaux témoins et un cliché troublant. Mais les images qui ont fuité le week-end dernier sont d'un tout autre ordre. Le compte Instagram Chayara TV a en effet dévoilé des clichés de Pierre Palmade qui auraient été saisis dans la soirée de samedi soir dans un nightclub bordelais. Le club incriminé s'est empressé de contester auprès de Ciné Télé Revue la véracité des images, indiquant que ces dernières dataient en réalité d'avant l'accident. Une version qui a, à son tour, été contestée par Chayara TV qui a décortiqué les timecodes des vidéos qui lui avaient été fournies afin de prouver que les images avaient bien été saisies dans la nuit de samedi à dimanche. Selon Chayara TV, la boîte de nuit aurait nié la venue de l'humoriste pour pas s'attirer de bad buzz. Après avoir posté de nouvelles vidéos concordantes de 3 nouveaux témoins, Chayara TV a dégainé la preuve ultime. Des images des caméras de surveillance du club qui ont filmé le comédien dans la nuit du 24 au 25 juin, ainsi qu'un cliché du patron de la boîte de nuit avec Pierre Palmade. Un snap daté du 25 juin. « Merci Pierre d'être passé, tu resteras toujours le temple du rire », y était-il indiqué. Dans la foulée de la publication de ces clichés polémiques, il a été révélé que le quinquagénaire n'avait plus l'obligation d'être hospitalisé en continu. S'il doit fixer sa résidence dans un lieu déterminé, poursuivre ses soins, rester en région Nouvelle-Aquitaine, ne pas entrer en contact avec les victimes de l'accident et respecter l'interdiction de conduire un véhicule, il ne lui est pas interdit de sortir en boîte de nuit. La polémique pourrait bien ne pas s'éteindre de si tôt.